Salut les amis, bienvenue sur Exomadara TV, j'espère que vous allez bien et je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va parler exclusivement de la nouvelle map d'Apex Legends. Alors, je l'avais pas vu parce que hier soir, je vous avoue, j'ai fait la vidéo sur le trailer assez rapidement parce que bon voilà, j'avais le temps et puis ensuite je n'étais pas chez moi, je suis rentré assez tard et là je viens de rentrer et je suis en train de découvrir le site officiel d'Apex Legends et je vois qu'il y a eu plein d'infos sur toutes les zones de la nouvelle map et franchement, je crois qu'on va vraiment avoir une map qui va tout déchirer. Donc c'est parti, on va prendre le site officiel ensemble et on va passer en revue tout ce qui nous est expliqué. Alors le nom de la map en français c'est Zone d'Orage, donc bienvenue dans la Zone d'Orage. Découvrez ce qui vous attend sur la nouvelle carte d'Apex Legends, la Zone d'Orage. On va descendre un petit peu, on a un premier visuel qui nous montre une grande partie de la map. On voit beaucoup de verticalité avec de la roche, beaucoup de petits bâtiments par-ci par-là, avec des goulots d'étranglement. Franchement, ça risque de donner un gameplay vraiment ultra varié. Et ensuite, on a Rod Neris qui prend la parole, qui nous dit « Bonjour, je suis Rod Neris, concepteur principal d'Apex Legends, et j'aimerais vous présenter la quatrième carte d'Apex Legends, la Zone d'Orage. Située sur la planète Gaïa, la Zone d'Orage est une base de recherche abandonnée de l'IMC qui accueille désormais les jeux Apex. C'est notre plus grande carte à ce jour, elle est environ 15% plus grande que Bord du Monde. » Donc 15% plus grand que World's Edge, ça fait quand même pas mal du tout. Qui nous dit que World's Edge détenait jusque-là le record de la map la plus grande. Elle propose une grande variété de zones et vous invite à sauter sur une île tropicale et à prendre de la hauteur en glissant sur les sommets pour jouer à une altitude plus élevée que sur les cartes précédentes. Il y a beaucoup de choses à voir et à dire sur cette nouvelle carte, alors examinons-la en détail. On descend, il nous parle tout d'abord du canon gravitationnel. Alors j'avais pas le nom, voilà, on a le nom désormais. Presque tous les ballons de redéploiement ont disparu. Ils ont été remplacés par des canons gravitationnels qui constituent un excellent moyen de triompher de l'anneau. Lorsque vous entrez dans un canon, il vous projette dans une direction prédéterminée. Une fois en l'air, vous pouvez contrôler le tangage et atterrir sur les bords des points de réception du canon gravitationnel pour éviter les pièges et les autres dangers. Vous gardez également le contrôle total de vos armes, de vos grenades et de vos capacités tactiques ultimes lorsque vous êtes dans les airs. Donc ça c'est pas mal, ça va changer vraiment le gameplay comparé au tour de saut. Et ça me rappelle vraiment les anciens FPS du style Quake où on avait justement des sortes de bumpers qui ressemblaient un petit peu à ces canons. Ensuite on descend un petit peu, il nous dit « Dans les terres sauvages, la zone d'orage est un monde qui grouille d'animaux sauvages et dangereux. Les nids de faune sauvage représentent de nouvelles possibilités de combat captivantes qui offrent des options de butin stratégique aux escouades parvenant à survivre jusqu'à la mi-partie. Découvrons la faune locale de la zone d'orage, chaque type d'animal représente un défi et une méthode d'engagement spécifique. On commence donc avec les rôdeurs, les prowlers en anglais qui sont des créatures agressives qui chassent en meute. Vous pouvez les trouver autour des antres des rôdeurs un peu partout sur la zone d'orage. S'ils vous repèrent, ils vous feront savoir que vous n'êtes pas les bienvenus, gardez-vous distance pour engager le combat selon vos propres termes. Mais attention, si vous choisissez d'attaquer, d'autres rôdeurs sortiront de leur antre pour défendre leur territoire. Donc voilà, je pense que les prowlers vont venir nous donner du fil à retordre pendant nos parties de Battle Royale. Ensuite on passe aux araignées. Les rôdeurs ne sont pas les seuls habitants de la zone d'orage, des œufs d'araignées sont éparpillés aux quatre coins de la carte. Bonjour les arachnophobes, j'en fais partie. Si vous endommagez ces œufs, ils écloront et les araignées qui se trouvent à l'intérieur se feront un plaisir de vous dévorer. Et là, comme on peut le voir sur le screen ci-dessous avec H, on voit qu'on a une araignée qui est quand même assez grande comparée aux autres qu'on a vu éclore dans les œufs du trailer. Les araignées crachent des toiles sur leurs ennemis pour les immobiliser avant de planter leurs crocs dans leur chair. Bien qu'elles soient plus fragiles que les rôdeurs, elles sont rapides et se repositionnent fréquemment. Donc en fait, les araignées vont pouvoir nous immobiliser. C'est vraiment le pire truc, étant arachnophobe, je déteste ça. Je pense que les araignées, ça va me faire stresser de ouf, ça va trop me dégoûter. Ensuite, on a les flyers, plus connus sous le nom de volants en français. Levez les yeux au ciel pour récolter des récompenses portées par les volants perchés en hauteur ou planant au-dessus de vous. Comme sur King's Canyon, c'est exactement le même principe. Les volants apparaissent individuellement sur la carte à des endroits aléatoirement choisis parmi une liste prédéterminée à chaque partie. Ensuite, règles et trophées de chasse. Donc on voit sur la minimap qu'on a des points d'intérêt avec les animaux sauvages et on voit aussi qu'on les retrouve dans les icônes justement de la légende de la minimap. Alors de ce que j'ai compris, alors c'est expliqué juste en dessous, ça va nous permettre de crafter des matières premières. Les nids de faune sauvage sont indiqués par des marqueurs rouges sur votre mini-carte. Tous les nids sont statiques et limités, ce qui signifie qu'à chaque partie, ils sont toujours au même endroit avec le même type et à peu près le même nombre d'animaux.
Les animaux sauvages respectent les limites de leur nid et sont agressifs uniquement contre les intrus qui pénètrent sur leur territoire. Si votre escouade détruit un nid de faune sauvage, celui-ci est retiré de la carte et vous pouvez en récolter les récompenses. Voici une rapide description des différentes récompenses que vous gagnerez en combattant la faune de la zone d'orage. Apparition de butins intelligentes. Lorsque vous tuez des rôdeurs et des araignées, vous pouvez récupérer des accessoires et des munitions pour votre escouade en fonction de votre équipement ainsi que des consommables et des bonus divers. Vous pouvez aussi avoir des points Evo. Un petit pourcentage des dégâts infligés à la faune, entre parenthèses volant inclus, est converti en bonus pour votre bouclier évolutif. Donc voilà, ils ont mis quand même des choses assez intéressantes pour qu'on ait envie de se fighter contre ces animaux sauvages. Et puis ensuite, matières premières. La destruction d'un nid rapporte des matières premières réparties de manière homogène entre chaque membre de l'escouade se trouvant dans le nid au moment de la destruction. Donc vous l'aurez bien compris, les développeurs de chez Respawn ont quand même mis le paquet sur ce mode PvE, enfin sur ces animaux sauvages qui vont venir peupler cette nouvelle map. Ensuite on va passer au point d'intérêt de la map. Alors on a Baromètre qui est une zone assez colorée qui me rappelle une zone d'Olympus. Examinons les principaux points de chute. Le baromètre au cœur de la zone d'orage, cette plateforme tournante remplie de butins est surplombée d'une tour de recherche qui donne un avantage de hauteur, mais elle est néanmoins difficile à défendre. Franchement, le design est super classe. Ensuite, on a le centre de commandement. Construit à l'intérieur de la montagne, le centre de commandement est un immense complexe riche en butins. Vous pouvez y plonger directement depuis le vaisseau de transport. C'est également un excellent moyen d'atteindre le sommet de la montagne sans danger grâce à un vaste réseau de tyroliennes les plus longues des jeux Apex à ce jour. Franchement, en termes de verticalité, je pense qu'on va être servi et on le voit tout de suite avec la zone suivante où on voit que c'est très escarpé, qui s'appelle l'antenne. L'antenne est un point de chute sillonné de passerelles positionnées au-dessus d'une énorme antenne de communication. Traversez ces passerelles ou glissez vers le bas de l'antenne pour rejoindre le centre en tyrolienne. On dirait la zone où on a vu l'éclair s'abattre dans le trailer. Ensuite, on a la zone point de passage. Suspendu au-dessus d'une forêt dense, le point de passage vous offre une manière inédite de vous désengager d'un combat intense. Si l'ennemi vous submerge, sautez de la plateforme pour plonger dans la forêt en contrebas et modifier le niveau d'engagement à votre avantage. On enchaîne avec Paratonnerre. Alors j'ai dit une bêtise, voilà, c'était Paratonnerre qu'on avait vu dans le trailer. Le Paratonnerre est un point de chute situé au sommet de la montagne et divisé en deux moitiés par un pont. Le sommet de la station est un point culminant de la carte et constitue une place forte cruciale si l'anneau converge vers cette zone. Effectivement, plus vous avez la hauteur, plus vous avez l'avantage dans Apex. Franchement, au vu de tout ce qu'expliqué, j'ai vraiment l'impression qu'on va avoir un gameplay totalement différent avec tout ce qu'on a pu connaître par le passé. Et moi, ça me fait énormément plaisir. Et d'ailleurs, on voit que sur cette zone, il y a une tour de saut. Alors, est-ce qu'il y a peut-être une seule tour de saut à cet endroit? Ça a l'air d'être possible, on la voit bien sur l'image. Ensuite, Attrape-tonnerre. Suspendu sur une large zone, l'Attrape-tonnerre est un site en intérieur axé sur le combat rapproché. Placez-vous sur un balcon extérieur pour combattre à longue portée contre des bases robustes et défendables de chaque côté. Là, la zone elle est vraiment atypique, on n'a jamais vu ça. Je pense que ça va être pas mal à explorer, j'espère que les combats seront intenses. On enchaîne avec Tremplin Nord, avec des sortes de tranchées. Le Tremplin Nord est un site de lancement qui comprend un réseau de tranchées protégées qui permettent d'évoluer en toute sécurité dans un paysage vallonné. Ces tranchées sont parsemées de bunkers souterrains et de petits points d'intérêt contenant du butin. Ça aussi, ça va nous apporter encore une fois de plus un gameplay inédit sur Apex. Ensuite, on a Moulin, situé à la pointe occidentale de la map. Le Moulin est un espace intérieur circulaire qui contient du butin de grande valeur et offre une voie d'accès vers la rivière centrale. Donc vous voyez, on retrouve des sortes de bâtiments comme s'il y avait des autochtones, et là on voit un petit nid de prowlers sur la gauche. On va ensuite aller sur la zone premier contact, qui est l'endroit où le vaisseau des survivants originel de la zone d'orage s'est échoué. Rongé par la rouille, sa salle des moteurs est toujours intacte et constitue une place forte si vous parvenez à l'atteindre. Ensuite, on a la zone Cénote, réseau sécurisé de grottes de récifs coralliens et secteur le plus isolé de la carte. Le Cénote regorge de précieux butins et de positions fortes situées à l'extrémité sud de l'île. Il s'agit également d'un point critique entre le baromètre et la moitié ouest de l'île. Et on dirait la zone dans laquelle on voit dans le trailer la fameuse grosse araignée. Alors ensuite, on a plein de petits points où on n'a pas d'image. On va les lire. Le mur qui sépare la plage nord et la montagne, point d'atterrissage privilégié pour ceux qui cherchent le combat et sert de goulot d'étranglement entre deux parties importantes de la carte. Le point culminant qui abrite le seul ballon, alors c'est bien ce qu'on avait dit, de redéploiement de la carte. Situé tout en haut de la plus longue colline de l'île, il constitue un goulot d'étranglement vital au sommet de la montagne. Les joueurs les plus attentifs pourront découvrir des tunnels cachés qui permettent de le contourner.
Ensuite, on a le point de surveillance, c'est une porte d'accès vers le sommet de la montagne. Le poste de surveillance est une zone de combat rapprochée. Son canon gravitationnel offre un accès plus rapide depuis le bas de la montagne ou une échappatoire si nécessaire. Ensuite, on a Cascade qui est un amas dense de bâtiments. Cascade est le point focal de la carte en raison de sa proximité avec le centre de l'île, ce qui en fait le point d'intérêt le plus fréquenté. Tenez-en compte avant de le choisir comme point d'atterrissage lors du largage initial. Ensuite, on a le site de lancement, niché à l'extrémité de la rivière. Le site de lancement regroupe deux zones d'atterrissage, la plateforme d'atterrissage étendue et le bâtiment de contrôle. Atterrissez sur l'un des trois tremplins et frayez-vous un chemin parsemé de butins jusqu'au bâtiment de contrôle. On enchaîne avec les fermes piscicoles qui sont une vaste chaîne d'îles sur laquelle les bâtiments contenant du butin sont nettement séparés. Traversez les étendues d'eau avec prudence et utilisez le trident pour les survoler. Ensuite, station tempête qui est un lieu d'atterrissage proche des fermes piscicoles. La station de tempête sépare le centre de l'île et sa partie sud. Le butin y est rare mais d'excellente qualité et la zone bénéficie d'une position forte sur les fermes piscicoles. Et pour terminer, la carte contient 17 lieux nommés, mais des camps secondaires sont installés à proximité de chaque point de chute. En début de partie, si vous atterrissez sur un point de chute envahi d'autres joueurs, regardez autour de vous, vous verrez peut-être dans les environs un camp plus petit et rempli de butins. Donc voilà, on a une map qui a l'air d'être vraiment très très riche, sur laquelle on va découvrir plein de choses. Je suis vraiment très curieux et très hypé par la map. Je pense que c'est la chose la plus importante de cette nouvelle saison qui devrait vraiment nous ravir. Et puis il y a aussi H, mais vraiment la map, j'ai l'impression qu'elle a été ultra bossée et je suis vraiment très curieux de la découvrir. J'espère qu'on aura droit à un petit mode qui nous permettra de la parcourir sans se combattre pendant un ou deux jours, histoire de pouvoir assimiler ces nouvelles zones. En tout cas, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner et à me dire aussi votre ressenti sur cette nouvelle map si jamais elle vous fait vraiment kiffer, si vous avez envie d'y jouer ou si vous êtes totalement insensible. Sur ce, je vous dis à tous une très bonne journée et à très vite pour de nouvelles informations sur Apex Legends. Bonne journée à tous.